Bienvenue pour notre deuxième séance brûle-graisse. Aujourd'hui, on va travailler de la même façon. Donc 6 exercices, 30 secondes de travail à haute intensité, 30 secondes de récupération. Et tout cela en 3 tours, d'accord? Aujourd'hui, vous aurez besoin pour réaliser ce brûle-graisse d'une chaise, d'un bâton en bois ou bâton d'un balai, et de 2 petites haltères ou de 2 petites bouteilles d'eau, d'accord? On va travailler un petit peu plus musculairement, vous allez voir. Travail des abdominaux, tout le corps, haut du corps et bas du corps en même temps. Je vais lancer la musique, donc pareil, 30 secondes d'activité, 30 secondes de récupération. On va commencer avec les squats, vous pouvez prendre les haltères. On prend les haltères, on les met ici, squat et on pousse vers le haut. Squat, presse, on pousse les petites bouteilles, les poids vers le haut. On pousse bien. Les fesses à 90 degrés et on pousse les poings, on garde le dos bien droit. Allez. On y va. C'est un peu plus musculaire aujourd'hui. Et on relâche. Deuxième exercice, on va faire des fentes. Fente vers l'arrière, donc on est debout. Fente vers l'arrière et on monte les poids droit devant, d'accord? Main droit devant et on alterne une jambe et puis l'autre. Je vais vous montrer de côté. On garde le buste bien droit. On serre bien les abdominaux. Allez, on va démarrer. C'est parti. Fente et tu reviens. Pousse bien les bras à l'horizontale, pas plus haut. Et on descend bien vertical au niveau de la fente. Le genou touche quasiment le sol. Et on remonte. Allez, on maintient. On souffle. Et je relâche. Allez, exercice suivant, je prends la chaise. Je vais travailler au niveau des triceps. Donc les muscles ici à l'arrière des bras. Venez avec les bras largeur de la chaise. Voilà, pied à 90 degrés, on va descendre le long de la chaise en poussant bien les coudes vers l'arrière et je remonte. Pareil, on garde le dos bien droit, on pousse bien la poitrine. Plus vous avancez les pieds, plus c'est difficile. D'accord? Allez, c'est parti, ça s'appelle des dips. On descend et on remonte. Pousse bien les coudes vers l'arrière. Allez, c'est parti. Premier tour, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Allez, on souffle sur la remontée. On maintient. Et je relâche. Je reste sur la chaise. Je prends la chaise. On va travailler un petit peu les abdominaux. Venez vous asseoir. Vous tenez la chaise sur le côté. Vous mettez en bord de chaise, d'accord? On va lever les genoux. On va les lever vers la poitrine et les redescendre sans toucher le sol. D'accord? Pareil, garde le dos bien droit. On ne s'appuie pas contre le dossier, ok? Allez. C'est parti! On lève les genoux vers la poitrine et on redescend lentement. C'est pas rapide, hein? Pas besoin que ce soit rapide. Vous contrôlez bien le mouvement. On monte les genoux vers la poitrine et on redescend lentement sans toucher le sol. On ne vient pas toucher le dossier, mais ma chaise est un petit peu petite. Donc c'est compliqué, je n'ai pas beaucoup de place. Même si je n'ai pas... Allez, dernier. Et relâchez. Je bouge un peu la chaise. Allez, on va faire des squats. Jump, squat. Et on va pousser sur les pieds pour intensifier un petit peu au niveau du cardio, d'accord? On pousse bien vertical pour remonter. Allez. Cinquième exercice. Si c'est trop compliqué, vous supprimez le jump. C'est parti. Squat et on pousse vers le haut. Vous voyez, je tire les mains vers l'arrière pour vraiment me propulser vers le haut. Et je pousse bien les fesses vers l'arrière sur le squat.
Si c'est trop compliqué, vous faites sans le saut. D'accord? Si vous avez un mauvais cardio, faites des squats simples, sans le saut. Allez, on pousse. On pousse sur ses jambes. Et je relâche. Dernier exercice, on prend le bâton. On vient s'asseoir au sol. Exercice statique. On prend le bâton droit devant soi, on garde le dos bien droit, on pousse la poitrine et on va venir lever les genoux et rester en statique. Vous pouvez mettre le dos légèrement vers l'arrière, mais toujours le garder droit, n'enroulez pas le dos, d'accord? Allez, c'est parti, bras tendus et je soulève les talons et je reste avec le sourire s'il vous plaît. On maintient. Allez, on arrive à la fin du premier tour. On recommence la même chose deux fois. 18 minutes de travail. C'est rapide. Hein. On tient, bon. Allez. Et je relâche. Je reprends les poids libres. On va reprendre le premier exercice. Vous vous souvenez, le squat, on ouvre bien les genoux. Et on pousse les poids vers le haut, transfert la force des jambes vers le haut. Donc ouvrez bien les genoux, pointe de pied, tournez vers l'extérieur. On met les poids près des épaules, on se remet les coudes. Allez, on va redémarrer notre deuxième tour. Vous êtes prêts? C'est parti. Squat et presse. On pousse vers le haut. Alors, travaille le haut et le bas du corps en même temps. C'est top, sous 18 minutes, vous aurez tout travaillé. Efficace. Allez. On pousse bien vers l'arrière des 50 degrés, on serre son fessier en remontant. Gardez les coudes proches du corps en descendant. Dernier. Et je relâche, on reprend les fentes. Vous vous souvenez, on monte. On tire une jambe vers l'arrière et on alterne. Gardez le buste bien droit. On relâche. Allez, on se prépare. Vous pouvez le faire sans poids ou avec des petites bouteilles d'eau. Des poids des haltères si vous avez. On se prépare. 2, 1, c'est parti. Allez, jambe vers l'arrière. En alternance, n'allez pas trop vite, on contrôle bien, on monte les bras à l'horizontale, pas plus haut. Allez, maintenez. On attaque les triceps sur la chaise. Les derniers, et je relâche. Allez, je viens, je prends la chaise. Travaille des triceps. On s'assoit, on se repose un peu. On vient placer les mains. Vous voyez le long de la chaise, on vient gripper la chaise. Je descends vraiment vertical le long de la chaise en poussant les coudes vers l'arrière. On se prépare, on garde le dos bien droit. On pousse la poitrine. C'est parti. Donc je rappelle. Plus vous avancez les pieds loin de la chaise, plus c'est difficile. Hein. Allez. Travaillez ces coucou mamie. On tonifie ses petits bras. Soufflez bien. On maintient. Et je viens m'asseoir sur la chaise. Exercice suivant, travail des abdominaux. Vous vous souvenez, on vient bien au bord de la chaise. On agrippe la chaise sur le côté. On va lever les genoux, on les monte vers la poitrine, on redescend lentement. Ne collez pas le dos contre le dossier, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Ça va? Allez, on se prépare. On y va. Allez, on monte les genoux vers la poitrine et on redescend lentement, sans toucher le sol. On remonte lentement, hein, vous contrôlez la montée et la descente.
Relâchez pas d'un coup, le but c'est vraiment de contrôler, d'engager les abdominaux. Encore, on monte. Et je redescends. Allez, on tient bon. Hein. On a la moitié. Le dernier. Et je relâche. Allez, pas trop plus cardio, vous souvenez. Squat et jump vers le haut. Aidez-vous avec les bras, un gros squat, on ouvre les genoux. Et hop, on se propulse vers le plafond. D'accord? Si c'est trop dur, sans saut. Avant-dernier exercice. Soufflez, respirez. On va déjà avoir fini le deuxième tour, ça va super vite. Allez, c'est parti. Squat et on pousse. Pareil, gardez le buste bien droit. On ne s'affaisse pas vers l'avant, on reste bien droit. Un beau squat et on pousse. Allez, jusqu'au bout. On tient, on tient, on tient. Courage. On arrive au bout. Le dernier avec moi. Parfait, on vient au sol. Allez, on prend son petit bâton. On vient assis au sol. Vous vous souvenez, bras tendus devant, le bien droit légèrement vers l'arrière. Petite bascule. Et on lève les genoux. Et on reste en statique pendant 30 secondes. Allez, on se prépare. On fait tendu. C'est parti, on lève les talons. Et on ne bouge plus. On maintient. Fixez un point pour l'équilibre. Allez, c'est bien, on se grandit. Super. On reste, on reste, on reste. Allez, maintenez jusqu'au bout. On a la fin du deuxième tour. Et je relâche. Allez, dernier tour, on tient bon. Hein. On ne lâche pas maintenant, c'est pas le moment de faiblir. On garde la motivation. On pense à ses objectifs. On reprend les petits poids, les bouteilles d'eau, les haltères, les mains près des épaules, l'écartement largeur des manches, on reprend les squats presse. Allez, on se motive hein, jusqu'au bout. Allez, dernier tour, 6 exercices. 30 secondes, 6 fois 30 secondes et on a terminé. Très bien. Allez. C'est top. Allez, maintien, maintien. On y est. Le dernier. Et relâchez. Allez, deuxième exercice, vous vous souvenez. Fente alternée, on lève les poids à l'horizontale. Et on change. On maintient. Soufflez bien. Gardez le dos droit. Épaules bien vers l'arrière, on pousse la poitrine. Même position. Allez. On y va, c'est parti. Fente et on lève les poids devant. Allez, maintien. Allez, après celui-ci, il nous fait 4 petits exercices. Et on a terminé. On se motive jusqu'au bout. Allez, c'est bien. On tient. Dernier. Et on relâche. On pose les poids. On a bien des poids pour aujourd'hui. On prend la chaise. Travaille. Les triceps. Vous vous souvenez. Sur la chaise. On se prépare. Allez, dos bien droit. On descend bien le long de la chaise. On pousse les coudes vers l'arrière. C'est parti. Pousse et on remonte. Poussez bien sur la chaise en remontant. Allez, on maintient.
jusqu'au bout. Allez, on ne lâche pas. On reste avec moi jusqu'au bout. C'est le challenge, c'est le but. On se motive ensemble. On est là pour vous coacher, pour vous aider. Et relâchez. Enroulez un petit peu les épaules. Allez. Avant de venir pour les abdos, on reste sur la chaise. On avance bien le plus loin possible. Ne tombez pas quand même. D'accord, on va lever les genoux. Gardez le dos bien droit. Serrez bien la sangle abdominale. On se prépare. Allez, c'est trois exercices. C'est parti. On monte la poitrine et on redescend lentement. Contrôlez bien la montée et la descente. Surtout la descente, c'est ça qui est plus compliqué. Et ici, vous allez vraiment bien travailler toute la forme abdominale. Allez, on maintient. C'est bien. Allez, on ne lâche pas. Le dernier. Et je relâche. Allez, je vais lâcher de côté avant d'aller à l'exercice. On booste un petit peu au niveau cardio, vous vous souvenez, squat, jump. On se propulse bien vers le haut. On s'est vertical, poussez bien dans les jambes, activez toute la circulation. Faites deux exercices. On tient bon, on tient bon. On se prépare. Allez, c'est parti. Squat, jump. Allez, chacun à son rythme. On pousse bien sur les jambes. On propulse bien haut. Et on amortit. Allez, encore. Si vous avez mal au genou, vous pouvez juste monter sur la pointe des pieds et vous redescendez en squat. On active aussi les jambes. Allez. Dernier. Et relâchez. Top. Allez, dernier exercice. Les abdominaux. On vient au sol. Assis sur le sol, dos bien droit, on bascule légèrement vers l'arrière et on va monter les genoux et puis on bloque en statique. C'est le dernier, on y est. Allez, 30 secondes, avec moi, jusqu'au bout. Allez, bras tendus devant, on monte les talons et on reste. Allez, on aura bien bossé, c'est top, restez, 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 allez, on se grandit, jusqu'au bout, quelques secondes, et je relâche, voilà, super travail, je coupe la musique. Voilà, là on a bien bossé, vous voyez que c'est un tout petit peu plus musculaire, mais en même temps un peu cardio, on a vraiment travaillé l'ensemble du corps, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, très très vite, à bientôt, bisous bisous.